Au nord-ouest de la Corse, l'île plonge ses massifs rocheux directement dans la mer, abrupts et saillants comme des falaises. L'endroit est dépouillé, sauvage. Il semble inhospitalier. Ce désert humain est en réalité le fait de l'histoire. Ici, les populations n'ont jamais été très denses, ni bien nombreuses. Elles ont alors été des proies faciles pour des marchands d'esclaves lors des grandes razzias des XVIe et XVIIe siècles. De sorte que la plupart des villages ont été abandonnés à cette lointaine période et que les survivants s'en sont allés par-delà les montagnes, se réfugier dans des territoires moins exposés. La Sposata, ce massif dénudé qui s'élève au-dessus des frondaisons, veille alors, depuis ces temps immémoriaux, sur cette région bien trop paisible, ce littoral bien vide, bien triste, où tout n'est que maquis et rochers. Les gens ici voient beaucoup de formes, hein, dans toutes ces roches. Ah bah oui, on voit bien. Ouais. On dirait de bosses, un dromadaire à de bosses. Quel dromadaire, c'est les chameaux qui ont de bosses. Ah oui, bien sûr. Et là, on voit, c'est le nez, la grosse tête de la vieille. Pourquoi tu dis la vieille? Mais la vieille. Mais c'est pas la vieille, c'est la bergère, elle est jeune et jolie. Mais non, c'est la vieille qui a été transformée en caillou. Mais non, tu dis n'importe quoi. Écoute, il était une fois... Il y a très très longtemps, un seigneur se promenait sur la montagne avec ses chevaux et ses hommes, quand soudain, il tombe sur une jeune et très belle bergère. Elle tombe sous le charme, lui tombe fou amoureux, et ils ont une histoire courte ensemble. Mais elle lui demande de bien vouloir la prendre avec lui pour toute la vie. C'est romantique, hein. Lui, oui, il lui dit gentiment qu'il ne pouvait pas épouser une jeune bergère parce qu'elle n'avait pas le même statut social que lui et que de toute façon, elle n'avait pas la dot requise pour épouser quelqu'un de son rang. Elle vivait dans un petit palais en ruine, sans confort, avec sa mère impotente, malade, avec une mule, deux chèvres et quelques poules. C'est tout. Triste. Donc les jours qui ont suivi, elle était très énervée et elle reprochait sans arrêt à sa mère leur extrême pauvreté jusqu'à dire... qu'elle avait dilapidé l'héritage de son père, alors que celui-ci était mort très pauvre, en leur laissant justement pour seul héritage que cette pauvre petite maisonnette. Bref, elle s'est enfermée sur elle-même et elle a complètement délaissé sa pauvre mère. Quelques mois plus tard, elle a vu le seigneur qui chassait dans la montagne pas très loin. Ni une ni deux, elle a pris la mule, elle a accroché deux gros paniers sur ses flancs et elle a pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison. Les cruches, les draps, les couvertures, les couverts. Ouais, bravo. Elle a tout pris, elle a tout mis dans les paniers et elle a recouvert le tout d'une belle étole pour cacher en fait la pauvreté de ce chargement. Et elle est partie en direction de la montagne après son seigneur en laissant la pauvre maman malade dans son lit avec les deux chèvres et les quelques poules. Brute. Et ouais, elle dormait et quand elle s'est réveillée, elle a vu que sa fille l'avait dépouillée de tout. Hein. Elle avait abandonné comme ça, sans rien, même pas une petite cuillère, elle n'avait plus rien. Et quand elle est sortie sur le pas de la porte, elle avait les larmes aux yeux, elle a tendu un poing en sa direction et elle a dit « Tu seras punie, ô fille, au cœur de pierre ». Et là, on raconte qu'un terrible coup de tonnerre a retenti et qu'une épaisse nappe de brouillard a enveloppé le sommet. Et quand il s'est dissipé, le sommet de la montagne avait changé d'aspect. On voyait se dessiner nettement la tête de la fille avec la mule à côté, mais transformée dans cet énorme rocher qui était aussi dur que l'était son cœur lorsqu'il battait. Et depuis, les gens de la région appellent cette montagne la Sposata en la mémoire de la triste histoire de la bergère qui voulait se faire épouser par le beau seigneur. Triste histoire, et c'est bien fait pour elle. Oh, quand même. Et enfin, elle abandonne sa mère comme ça et veut s'en tirer avec le seigneur. Ça lui va bien, hein? Cher. Ouais, mais moi je dis que c'est comme ça. Hein. Tu laisses pas ta mère comme ça. Hein. Ah ouais. Je jure. Eh oui, tu as bien raison, Paul. La rudesse du paysage insulaire, ses pics rocheux et ses falaises, abruptes et décharnées, ne saurait en rien durcir le cœur des habitants. Ici, l'honnêteté, la compassion et le respect des anciens font partie des valeurs traditionnelles de la société. Et nul ne peut s'y soustraire sans se retrouver exclu à jamais du monde des vivants.
en se dirigeant vers l'infortunée bergère au cœur de pierre, à jamais pétrifiée dans sa cupidité, Paul et Karine remontent le temps sans le savoir, s'avançant vers d'anciens villages aujourd'hui abandonnés, des maisons accrochées au flanc de la montagne et qui racontent tout un morceau de l'histoire de la Corse d'antan, de l'époque où ce massif forestier était parcouru de charrettes, de mulets et de petits chevaux, où les pierres et les rochers résonnaient sans cesse des clameurs des 300 villageois qui peuplaient alors les lieux. Ils sont tous partis, hein. Mais tu vois, je aimerais m'en récupérer une, Eddie. C'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Tu prends quoi, la marron ou la verte? Je prendrais les deux, je crois. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Retaper quelques morceaux de toiture, deux ou trois pierres. Pugnette, un chimique. 6 heures du matin, lever du soleil, pugnette contre Orsubaulo. Di mattinata, à l'aube. Bras de fer. Pour maman. Dopo paghi a due, ami. Et dopo, après le travail, pastizzata. Et réservé. C'est passé comme ça. Et le soir, ouais. Il faisait différemment. C'est mille, chico, chico, toi. Dis donc, il devait avoir de l'animation dans le quartier. Et, ouais. Et ainsi s'organisait la vie dans les villages. Regarde comme c'est étrange, là. Il y a carrément une espèce de gros bloc qui a été sorti de ce rocher. Ça, c'est révolutionnaire. C'est une mule, une magine. Elle est belle, hein. Il faisait le dessin, d'abord. Et après, il touquait dedans, avec les burins. Ils découpaient le granit pour en faire des mules, pour les moulins, tu vois, pour concasser les olives ou les grains. Ça devait être lourd. Et ouais, et en plus, souvent, elles se cassaient en deux. C'était pas évident à tailler. Hein. Mmh. Alors, et après, derrière, ils ont fait, si tu veux, ce genre de gouttière. Là. Et après, il y avait une évacuation. On pouvait faire un tas de choses. Et les gens s'en servaient pour faire des bastilles. Donc, il y avait des blettes. Là. Tu vois, dans les bastilles, on met de la blette. Ouais. Ils mettaient les blettes. Qui faisait bouillir et après ils enlevaient de l'eau et là ça coulait. Hop. Ah, ça faisait comme une planche à découper en fait. Ah, tu pouvais tout faire, même la conserve de tomates, tu vois. Tu pouvais faire aussi quelque chose de bien, de sympa, tu vois. Qu'est-ce style. Que tu fabriques? Mettez l'eau à gousy, aide. Hop, hop. Hop, comme ça. Après, te mettais là. Hop là. Et. Tu prenais, tu vois, ça fait le jus, peruvino, voilà. Oh là là, Paul, mais c'est horrible. Ouais, il en fallait en grande quantité, mais là, on pourra prendre quelque chose. Et après, hop, voilà. Et là, dans la gouttière, tu récupères le jus. Oh, quelle horreur. Tu vois, bon, là, ça marche pas bien, mais... Et tu remets là. Mais dis-moi, ça c'est ma gourde, hein. Qui est ta gourde? Quoi, jamais. Non, non, j'ai mis ce matin dans mon sac. Voilà, tu vois, et après tu prenais le mou. Voilà, mais là, il n'y a pas assez. Si je fasse avec ça, moi. C'est pas grave. Tu as compris le système? Ouais, donne-moi ma gourde, va. C'est la mienne, je te dis. Que, t'en souviens pas dans le New, c'est celle que j'ai pris, que je connais à l'allemand. Ouais, c'est ça, ouais. Une mule. Mais moi j'en ai vu une un petit peu plus intéressante là au-dessus, hein. Ça, c'est le must. Un remarquable antioxydant. Là, tu en prends,
tu le mets un petit peu partout sur le visage avant de te coucher, Eddie. Les angles, le nez. Et grâce à ça, tu obtiens un teint remarquable. La vinothérapie. Mémé, elle faisait ça. Là, je ressens les bienfaits du raisin. Voilà. Ça commence. Oh, waouh! Oh, ça, c'est un vrai moulin. Viens voir, Paul. Boum! Oh, tu as vu la taille de cette pierre? T'as un monte à fort. Hein. Ouf, elle doit peser une tonne. Elle a ça même 4 ou 5. Hein. Waouh! La grange, hein. T'imagines là. Elle est belle, oh. Bien sculpté, là ils ont dû toquer des heures et des heures pour avoir ce résultat. T'amuses pas, bah mec, non. Mais il y avait les bœufs qui tournaient autour là. Je sais pas s'il y avait la place pour les bœufs ou peut-être pour les ânes, mais d'après moi, là, vu l'engrenage, je pense qu'il y avait une petite canalisation. Hein, les gens qui vivaient ici ont dû détourner le cours d'eau et faire venir l'eau. Avec la pression, ça actionnait l'engrenage et la roue tournait. Donc un moulin hydraulique. Ouais. Et là, elle concassait des olives. Ah, il y avait des olives dedans. C'est un moulin à huile, ouvragne. Ah. Et après, là-bas, regarde, tiens, tu as l'emplacement où il y avait le pressoir. Il n'y a plus le mécanisme. Là, ils mettaient les olives déjà concassées dans les secourtins. Les secourtins, c'est en toile de jute, tu vois. Ouais. Et après, il les pressait, il récupérait l'huile. Il le faisait 2 ou 3 fois. Ah. Ouais. T'imagines un peu, ouais, à l'époque, là. C'est formidable de voir ça, en tout cas. Ouais, les gens du village allaient cueillir les olives, allaient ramener ici. Et après, toute la vie autour du Fragne. Ouais, mais de nos jours, regarde, les lières ont complètement envahi ces ruines. C'est bien dommage. Hein. Ouais, mais j'aime bien les lières. Mi, Abiatza di Adiesa, c'est là qu'ils se retrouvaient tous, Iwit, Ijo, les enfants, ils étaient là à la discussion, à l'ombre du tilleul, parce qu'elle était là. Quand le soleil tape, on est au frais. Eh ouais. C'est mouin. Il est magnifique cet arbre. Ouais. Oh, j'adore le tilleul. Tu sais que j'en cueille des paniers plein, c'est super pour faire la tisane. Ouais, moi j'adore les feuilles, elles sont toutes vertes. Mmh. Et après elles tombent en hiver, et ça fait plein de beaux tapis. Tu sais que c'est pas rare d'en voir sur les places des villages et devant les églises en Corse, en France et aussi en Italie. En Toscane, parce que ça, c'est pour calmer le caractère de la mame. Et toi, ramasse-en beaucoup, comme ça tu vas être calme, détendu, tu vois. Santa. Santa Maria. Ah oui. 1850. Ouais, 1850. Et c'est bon, hein. Petite chapelle. Ouais, elle est très jolie. Je la trouve carrément en bon état par rapport à tout le reste du village. Ouais, c'est vrai, il y a des maisons qui sont par terre, envahies par le lierre. Mmh. Et l'église de Santa Maria, elle est là, figée dans le temps, bien conservée, avec ses belles statues. C'est un peu normal, hein, parce que la chapelle, c'est le lieu symbolique. Hein. Ouais. Je trouve très jolie cette couleur-là, ce bleu. On se croirait dans une petite église dans les Caraïbes. Ah, les Caraïbes. C'est vrai. Un bleu pastel, frais, bleu et blanc. Si la majorité des habitants ont déserté le village au lendemain de la Première Guerre mondiale, quelques irréductibles ont continué à peupler les lieux et à entretenir l'église jusqu'à la fin du XXe siècle, malgré l'absence de route et d'électricité. Thank you.
Tu vois, Paul, il n'y a vraiment plus personne ici. Eh ouais, nous, on a fait partie de ces jolis petits villages définitivement abandonnés. Ouais, à t'entendre, tu vas me faire pleurer. Regarde comme c'est beau, là. Il n'y a plus personne, certes, mais regarde. La tranquillité, les belles pierres, ouais. Le lierre magnifique qui prend le dessus sur les maisons. Bon, et là, ça. Regarde, cette vue imprenable. C'est un peu triste quand même. Hein. Oh, triste, c'est la vie des villages. Hein. Et c'est sûr que les gens ont quitté l'intérieur pour se rendre près du littoral, hein, pour aller travailler. Ouais. Et tu sais que ce village, il n'est pas si vieux que ça, hein, puisque... Il y aurait à peu près 300 ans. Les ouais. premiers habitats ont été construits à peu près en 1760. Et le village s'est fait petit à petit, il s'est pas fait en un jour. Donc tu dis qu'il date du 18e en gros. C'est ça, oui. Mmh. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que au 15e et 16e, alors il y a les razzias barbaresques, et c'est pour ça que les gens s'enfuient dans les villages de montagne. Ouais. Mais en 1620, les razzias, c'est fini, il n'y en a plus. Donc je me demande pourquoi les gens sont venus se réfugier dans ces petits villages si loin de tout. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien fuir là-bas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, après 1760, lorsque la France a pris la possession de la Corse, il y a eu beaucoup de chantiers navals et la France avait besoin de bateaux, de navires. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploité toute la région autour de Sagone. L'armée a exploité en fait toutes les forêts, d'Aïton et jusqu'à autour de Vico. Et ici, donc, il y avait une exploitation forestière, on coupait les troncs et ensuite on les descendait vers Sagone et de Sagone, ça partait à l'arsenal de Toulon. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils auraient construit ces villages-là. Oui. Et après, si tu veux, la production de bois a chuté de plus en plus. Et les gens vivaient bien entendu ici, ils étaient bien, ils jardinaient, il y avait une activité. Et petit à petit, le village s'est vidé jusque dans les années 50. Donc ça ne fait pas si longtemps qu'il a été abandonné. Ouais. En tout cas, c'est bien dommage. Ouais. En 1910, Mouna comptait environ 300 habitants qui vivaient en grande partie de l'exploitation des forêts de ces massifs insulaires. L'exploitation forestière était alors une des économies majeures de la Corse, car tout le 19e siècle avait vu la demande en bois exploser en France pour la fabrication des traverses de chemin de fer, pour celle des poteaux télégraphiques ou électriques. Le bois était une denrée rare et chère sur le continent, alors qu'il se trouvait à profusion sur cette île montagneuse et jusqu'alors inexploitée. L'île comptait de très nombreuses scieries et la montagne était parcourue d'innombrables câbles qui les alimentaient en troncs. Mouna avait été peuplée dans ce contexte bien particulier et devait probablement son existence à cette activité du bois. Car les 40 maisons recensées datent toutes de cette période, comprise entre la fin du 18e et le début du 19e siècle. Et rien ne laisse supposer à l'existence d'un village plus ancien sur le flanc de cette montagne, abrupte et isolée. Même si le pays ne manque pas d'atouts, à commencer par une vraie richesse en eau de source. Ils sont vraiment charmants, ces petits sentiers qui serpentent dans le village. Charmants, certainement dangereux. Pas dangereux? Elles y chiaient, mal à la nuit, il ne fallait pas sortir. Hein. Ah bon? Les chemins dans la forêt, c'était mal fréquenté, il y avait des gens bizarres, des voleurs, des brigands, sanguinaires. Hein. Ils n'hésitaient pas à détrousser femmes, enfants, vieillards, tout le monde, pas ça. Hein. Wow. Et parfois, ils n'hésitaient pas à mettre en coupe réglée tout le village. Allô, Rami? Mais tu me fais stresser avec tes histoires. C'est pas fini. Quoi? Là, les brigands. Toc, toc, toc. Qui est là? Nous sommes des voyageurs égarés, perdus dans la nuit, dans la forêt. Et fort fatigués. Nous demandons donc le gîte et le couvert. Un tri des bourgs. Oula, la femme. Le mari là-haut. Quoi léger? Qui s'y bat, ça? Il descend des escaliers. Dans le bras. Il caboule. Il tombe. Là,
vite, l'autre, là, l'oncle qui sort, chat engagé, par dans le dos, par terre. Là, c'est facile. Les hommes neutralisés, il ne reste plus que la mère et les deux filles. Mais les brigands avaient remarqué la plus belle d'entre elles, qui était à la fête du village. Donc, ils sont venus ici demander la main de la fille, de la plus belle, manière douce. Et si elle ne voulait pas, ils séquestraient le père, avec bien entendu des blessures partout, ils séquestraient dans la forêt jusqu'au moment où elle accepte. Oh ouais, bah dis donc, c'est une histoire terrible ça. Waouh, mais moi ça me fait penser à l'arrestation qu'il y a eu ici, le fameux bandit Thor, tu sais, Jean-Baptiste Thor, en 1932. Tu sais qu'en 1930, il y a eu la fameuse expédition militaire visant à complètement éradiquer tous les bandits de Corse, dont les frères Spade. Et le fameux Thor avait déserté l'armée coloniale pour une espèce d'histoire dans la caserne, une histoire qui a très mal tourné, dont évidemment il était auteur. Et il est venu se réfugier ici à Moon. Village isolé, pas de route d'accès, c'était en fait la cachette idéale pour un bandit. Là, il a trouvé des jeunes hommes qu'il a enrôlés et il a vécu de rapine. Facile. Et il a fait de grosses, grosses bêtises. Il a même tué le garagiste de Guagnol-les-Bains. Ensuite, il a tué deux gendarmes qui étaient partis à sa poursuite. Et donc, il a été arrêté ici, au village de Moon, en 1932. Puis, déporté sur Bastia, où il a été guillotiné en 1934. Et tiens-toi bien, il n'avait que 25 ans. 25 ans, ouais, c'est jeune, mais en même temps, il avait quand même 6 meurtres, hein, c'est ça. Ouais. Pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est pas mal. Bon, ça fait froid dans le dos, toutes ces histoires-là. Ben, c'était la vie de l'époque, hein. Oh, bon, ben, attention, quand même, tu imagines. Attends, t'es, mais je suis là. Hein. Avance, avance. Moi, je surveille les arrières. Les récits de bandits et de hors-la-loi, fuyant les vendettas ou vivant de rapines, font presque partie intégrante de la montagne corse. De ces lieux jadis reculés, sans véritable route, de ces mondes difficiles d'accès que la loi et la justice avaient du mal à pénétrer. Pour aller autrefois dénicher ces bandits, tels le fameux Jean-Baptiste Thor et ses sbires, il fallait monter de véritables expéditions et avoir de la chance ou le soutien d'une partie de la population. Sans quoi, les fugitifs avaient vite fait de regagner quelques abris secrets, au cœur des massifs les plus retirés, les plus ignorés. Tu sais, Karine, en regardant tout ça, je m'interroge. De quoi ? Ben, l'exploitation forestière, elle a bien eu lieu ici. On a construit le village, on a exploité la forêt. Les bandits, ils étaient là, présents, au détour des chemins, ils raquettaient les femmes, les vieillards. Et à la même époque, en face, de l'autre côté de l'océan, on a les Amériques. Ouais. Et là, c'est la période de Calamity Jane, de Billy the Kid, de Saloon. Les villes champignons qui poussent et l'effervescence, et après, pof, d'un coup, plus personne. Ouais. C'est la ruée vers l'or. Parce qu'ici, je vais te dire, Karine, il y a de l'or. Ici, il y a de l'or. Ouais, mais il ne faut rien dire. Hein. Ça, c'est un secret entre toi et moi. Bon, alors, s'il y a de l'or, on va commencer à chercher, non ? On pourra faire plein de choses après, ça serait sympa. Chercher des pépites. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on s'installe ici. Tous les deux. Ouais. Enfin, on va déjà regarder si on trouve des pépites, et puis après on voit. Hein ? Tu veux. Une belle petite maison, le matériel, les tamis. Tu crois, Paul ? Tu crois que Mona est à l'image de ces villes champignons du Far West ? Celle-là même qui naissait à la découverte du moindre filon aurifère, et qui disparaissait ensuite lorsque le filon était épuisé. Mona ne serait alors pas née de l'exploitation forestière, mais d'un secret bien plus grand, bien plus fabuleux. Quel aveu incroyable, mais peut-être pas si surprenant en définitive. Il ne faut pas s'étonner si ces vieilles ruines évoquent des légendes,
Surtout si on laisse son esprit gambader le long de ces ruelles désertes, s'égarer dans ce panorama grandiose. C'est en définitive toute la magie de la montagne corse, toute la féerie de ces paysages majestueux qui s'expriment dans ses rêveries d'enfant.